Yo bande de gens, c'est Devil Dante et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 8 de DMC Devil May Cry. Je vous le rappelle que ce let's play où je m'amuse carrément en fait. Je m'éclate sur ce let's play, j'adore ce jeu. C'est un excellent beat'em all, il est génial. Donc, épisode précédent, nous avons libéré notre capacité, mais je le rappelle, pas toute la capacité. Seulement, on a réveillé le démon en nous. On a la capacité démoniaque désormais. Mais on a révélé qu'une infime partie de notre pouvoir, enfin infime, on pète le feu quand même, mais on peut faire plus, parce qu'on a qu'une partie de nos cheveux qui sont blancs. Je vous le rappelle, Vergil a les cheveux tout blancs. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Wait. Je ne me souviens plus quelle capacité je voulais améliorer. Niveau 2, niveau 2, niveau 2, oui, avec Osiris. Voilà, je prends toutes les capacités. Double mise, oui, ça c'est pour les attaques en l'air. Rasoir, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je prends. Donc voilà, comme je n'utilise pas des masses Osiris, je vais pas prendre plus. Je vais plutôt prendre Rébellion, des attaques avec Rébellion. Alors, roulette, qu'est-ce que c'est que ça? Roulette russe. Je prends. Voilà, on va acheter des croix de diabolisme, parce qu'on en aura besoin. 5 000! Oh là là! Ils ont pas l'impression d'exagérer, c'est passé de 1 000 à 5 000! Oh putain! Oh là, il est ouf! C'est nawak! Oh putain! Donc, des coups, je le rappelle. Attendez une seconde, je me gratte la tête. Donc, je le rappelle. Je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Au cas où certains auraient lancé des coms, parce que je vous rappelle, j'enregistre tout d'un coup. Si ça se trouve, tout le let's play va se faire d'un coup, donc je ne pourrai pas voir vos coms. J'ai les 4 skins qu'on peut avoir avec, hop, 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 avec Dante. Est-ce que j'ai les. Merde, j'avais un DLC dans le temps où on pouvait changer les skins, mais bon, elles sont très bien comme ça, les armes. Vous le voyez, j'ai les 4 skins supplémentaires de Dante. 4 ou 3? Il me semblait qu'il y en avait 4. Attends, 1, 2, ouais, non, il me semblait qu'il y en avait 4. Bon, c'est pas grave. Donc, vous le voyez, j'ai Dante classique, Dante obscur et Néo Dante. Néo Dante que je trouve pas spécial. Dante obscur est plutôt pas mal. Dante classique qui est super génial, que j'utilise tout le temps. Mais je le rappelle, pour ce let's play, j'utilise le standard. Parce que il va se passer quelque chose avec notre skin. Il va changer au fur et à mesure du temps. Vous l'avez vu avec la tache blanche sur nos cheveux. Et ça ne se passera pas si je mets les autres skins. Là, une tache blanche sur du blanc, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça ne prendra pas forme et vous ne verrez pas tout. Vous ne comprendrez pas tout. Et ça risque de gâcher le let's play. Donc je ne mets pas de skin. Il n'y a que dans des vidéos supplémentaires, genre le palais sanglant, ou si vous me demandez de refaire un niveau et que ça me plaît, donc je le fais, je mettrai un skin parce que c'est classe. Mais là, pour le let's play, je laisse le skin normal. Le skin standard de Dante. Ah oui, autre détail, enfin, c'est pas du tout un détail. Je le vois, je l'ai vu dans les astuces. Dante récupère des vies quand il est en mode diabolisme. Oui, c'est vrai. Je Et c'est très plus utile. à la violence. Pas possible d'avancer. Merci, Phineas. Ce n'était pas vraiment un service. Je veux la destruction de Mundus. Et je pense que vous avez une chance à présent. Vous allez changer d'avis? Vous aviez raison. Vous ne tenez pas que de Sparda. Je vois aussi votre mère en vous. Vous voulez atteindre Mundus? Voici comment. Le pouvoir de Mundus ne connaît pratiquement aucune limite. Mais il a un talon d'Achille, une faiblesse. Il a une faiblesse? Oui. Sa maîtresse, Lilith. Sa faiblesse, c'est son amour pour elle? Mundus, lui aimé. Non, mon cher. Toutefois, elle est devenue la chose la plus importante de la création à ses yeux. Voilà ce que j'ai vu. Lilith, sa maîtresse, porte un enfant. Son héritier. Pour atteindre Mundus. Tuer l'enfant.
rien ne le fera plus souffrir. Mais attention, la colère de Mundo s'est démesurée. Elle pourrait faire des milliers de victimes. J'avais oublié que le niveau y était comme ça. Ça va me saouler. Le niveau est à l'envers. Ça va, les contrôles sont mis à l'endroit, mais le fait que le niveau soit à l'envers, ça va vite me saouler. C'est très très chiant. Ah, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Je ne peux même pas attaquer. Je peux simplement me déplacer. Je peux même pas sauter. Ah, repéré. Bien. J'ai enfin ton attention. Bon, et ben on est parti. Il est pas très compliqué dans ce niveau, il suffit d'avancer le plus vite possible. Et le laser ne nous atteindra jamais. Concentration. Pète l'écran. Ça, c'était vraiment bien joué. Je félicite tout ce qui est, tous les monteurs, tous les modélisateurs 3D. Je sais plus si on dit modélisateur ou modéleur. Non, moi je dirais modélisateur. Et je les félicite là vraiment parce que c'était super. C'est juste. C'était simple, mais génial. Allez, on va encore. Péter le monde. Ah, dommage. J'aurais voulu faire péter la Russie. Non, je rigole. Bob, attention, ça tourne. Moi, ce que je pense de ces terroristes, c'est qu'ils sont répugnants, dégradants, décadents, vils, mesquins et franchement écœurants. Le pire d'entre eux est Dante. Le monde entier se porterait bien mieux s'il n'avait jamais existé. Tu vas devoir rendre l'antenne. Tu crois ça? Tu t'avances un peu vite, petite merde. Il est horriblement simple à battre. C'est limite affligeant de nous mettre des boss comme ça. Ah merde, il est toujours sensible. Voilà. Il va falloir passer à chacun de ses yeux. Chacun de ses yeux, pardon. De ses yeux, de ses yeux. Je ne sais plus. De ses yeux. Voilà, de ses yeux. À chaque fois qu'on passera dans un de ses yeux, il y aura un reportage et je me tairai. Ces images effrayantes montrent le terroriste connu sous le nom de Dante sur le quai de Belleville.
Que savons-nous exactement de ces dents? Plusieurs personnes se sont manifestées, permettant aux enquêteurs de reconstituer un parcours d'une violence inouïe. À l'âge de 8 ans, Dante tua l'infirmière en chef de l'orphelinat Saint-Mania. Cette femme était saluée par tous pour son extrême gentillesse et son dévouement envers les enfants. Entre 11 et 15 ans, il s'échappa de pas moins de 8 centres de détention pour mineurs, planifiant le plus souvent des attaques d'une rare brutalité sur les gardiens coupables seulement de faire leur travail. Entre 16 et 17 ans, il entre dans des gangs, fait du trafic de drogue et est considéré comme responsable de plus d'une douzaine de meurtres. Et comble de l'horreur, il était connu pour traîner dans les quartiers malfamés de la ville, répandant les maladies sexuellement transmissibles les plus innommables. T'as donc tant de ça, Bob ? Alors, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Je pense, en tout cas pour ce qui est des, pour ce qui est des quartiers malfamés, c'est possible que ce soit vrai vu comment il était avant. Pour également pour la directrice de l'orphelinat, ou oui, de l'orphelinat, je pense. Il l'a tué, on l'a vu au début, hein, on l'a vu, il l'a tué parce que c'était un démon. Vous savez quoi ? Hop, regardez la masse de vie que ça va lui retirer. Tellement sensible, j'ai l'impression de frapper un gosse. Ça, c'est de l'info percutante, Bob. Les fils pétés, les gars. Et il a commencé à tuer des gens. À un moment, il me regardait droit dans les yeux. C'était terrifiant. Il avait vraiment des yeux de pédophile. J'ai vu une fille, quoi, qu'il suppliait de l'épargner. Mais il a répondu qu'il la tuerait quand même, quoi. Et il l'a fait. Carrément, quoi. Depuis cet attentat révoltant, il est apparu que Dante faisait partie de l'organisation terroriste baptisée L'Ordre. J'ai un message pour L'Ordre. Le monde entier vous recherche. Chaque caméra, à chaque coin de rue, chaque force de police de ce pays et du monde. Nous vous trouverons. Nous vous détruirons. Ce n'est qu'une question de temps. C'était Bob Barbas du Raptor News Network, au service du Seigneur. Nous interrompons cette émission pour un flash spécial. L'organisation terroriste responsable des récents attentats a été localisée et son repère est pris d'assaut par les équipes du SWAT en ce moment même. La présence de deux des terroristes identifiés sur ces images a été confirmée. Salaud. Un troisième terroriste a été pris au piège suite à un raid de la police dans un autre quartier. Rassurez-vous, je vous garantis que les responsables devront bientôt répondre de leurs crimes. Mort ou vif. C'était Bob Barbas du Raptor News Network. Au service du Seigneur. On pète ça, merde. Oui, parce que j'agis sans forcément vous dire. Ça, c'est les points auxquels il s'alimente en fait. Si j'en pète assez, il va, voilà, il va s'affaiblir et au final, il pourra plus rien faire. Allez, nos pitiés. LOL. Flash spécial, Bob. T'es viré.
Fais bien tout ce que tu voudras. Tu as déjà perdu. Donc voilà, nous avons débloqué Aquila. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre d'arme, je sais même pas si ça existe vraiment. Je les utiliserai très rarement. Il n'y a qu'une attaque qui m'intéresse avec eux et je vais la prendre tout de suite. Enfin, je la prendrai dans l'épisode suivant pour maintenant. La classe qui me dit, lol. SSS, yes. Oh, ça rime, lol. Ouh, je vais avoir un SSS. Boom, yes. Ah, ça c'est cool. Ça c'est super. Ah oui, donc, d'accord, les bonus de boss, bonus de mission, tout le bordel. D'accord, en fait, c'est juste des points blancs. Je croyais que c'était de l'argent, moi, du vrai argent. Oui, non, ça aurait été complètement cheaté. Bon, ben, c'est ici que... Attendez. 16 minutes? Non, je n'arrête pas là. Je vais faire la mission suivante. Donc, ouh, il y a plein d'âmes perdues dans ce niveau. Eh ben, dis donc. Je vais prendre des capacités avec Aquila. Voilà, c'est ça que je veux. Bailler niveau 2, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais... Ah oui, ça, j'en aurais bien besoin. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut avec Aquila. Des objets, est-ce que je peux prendre quelque chose? Absolument pas. Donc on va passer à la mission tout de suite. Encore entré. Faut que je les atteigne en premier. Ok. Ouh, il y en a plein. Et ben regardez, justement, ça me permet de vous montrer. Hop, ce que je voulais vous montrer. Attends. Alors là, paf ! Voilà, c'est exactement ce que j'aime faire. Quand il y a plein d'ennemis comme ça, il faut tout le temps faire ça. Parce que ça les affaiblit tous et ça nous donne des points de style à l'infini. La caméra qui a bugué. T'es qui toi, Troduc ? Nécarisseur. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, donc je ne vais pas le retenir. Ah, c'est dommage. Ah, je le cherche depuis longtemps, le nom de ces trucs. Oui, parce qu'une fois qu'on connaît leur nom, en fait, qu'il a déjà été dit, ils nous le redisent pas. Sérieux, déjà? Ah, il me semblait qu'ils étaient beaucoup plus résistants que ça. Oui, je me suis trompé d'arme, mais c'est pas grave. Eh, hey, tu crèves, toi. Bordel! Ils arrivent aussi depuis les limbes. Ah oui, d'accord. Wait. Je regarde 2 secondes s'il n'y a pas quelque chose à voir là-bas. Pas du tout. Ah bah non, c'est de là que je viens, enfin. Donc forcément, il y a que dalle. Ah, je suis con. Je croyais que je devais monter comme dans un jeu de plateforme tout à fait normal, mais non. On est dans DMC Devil May Cry, il n'y a aucune logique. Donc voilà, c'est de ça que je vous parlais, d'une arme qu'on peut lancer, parce que... Voilà, on peut les lancer, les Aquila. Je regarde un petit peu autour de moi en même temps, je profite. Où est-ce que vous êtes? Dans ton cul. Oui, je pouvais pas sortir une meilleure blague.
On défonce tout. C'est l'anarchie. Rébellion anarchique à sous les sacrifices de Fouine. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Ah merde! Bon, les autres, tu es un scientifique? Où tu es? Ah bah, une homme perdue ici. Ouh! Et bah, je me souviens plus du tout qu'elle était là. 25 sur 40 déjà? Merde, je peux pas y retourner? Si, voilà. Enfin, c'est moi qui commande. Eh bah, tout ça pour ça. Il semblait qu'il y aurait plus. En même temps, ce niveau, j'ai galéré. Hein. Je m'en souviens, j'ai galéré à faire les missions secondaires. Un petit peu de fric, ça fait toujours plaisir. Le graffiti. Ça les tient en respect. Bien joué, Kat. Hey! Par ici, espèce de scieur! Putain, espèce de scieur. Oui. Dante, mais 14 ans de blagues nulles! Enfin, non, 14 ans de bonnes blagues en fait! Pourquoi j'ai dit de blagues nulles la dernière fois? Mais 14 ans de blagues? Et tu nous trouves que ça? Félicitations, Ninja Theory, on voit que vous avez joué aux autres! Aïe. Se tenir loin d'eux quand ils meurent parce qu'ils explosent. Ah, des gros culs. Les sorcières d'abord. Eh bah dis donc, elle s'est pas défendue, elle. Oh putain, on l'a calmé. Attends, est-ce qu'on peut le calmer une deuxième fois? Hop! Et oui! Et ça le calme d'un coup! Eh ben, je vais utiliser ça tout le temps maintenant. Mais, bah allez, on arrête de faire le con. Petit bug au niveau de la caméra, pas trop grave. Ah oui, c'est vrai. Là, on doit attendre que les SWAT défoncent les portes. T'es là? Reste caché, tu m'entends? Je dois d'abord la rejoindre. Tu ne peux pas la sauver. Tu vas voir si je peux pas. Oh, des pathos. En fait, des pathos, c'est pas du tout des. C'est pas du tout des ennemis en fait, c'est des cadeaux. Parce que y a que qui nous redonnent des vies quand on en a besoin. En tout cas, dans le mode palais sanglant, c'est le cas. Mais. Je t'ordonne de venir. Je t'ordonne de venir. Enfin. J'ai joué à Metal Gear, moi. Et t'as cru quoi? Metal Gear Rising, l'esquive, je connais. Enfin, la parade plutôt.
Wow. Pas maintenant. Bah. Ouais, bête ça en fait. Alors les pathos, ils vont pas faire long feu. J'aime bien ces petites animations. Merde. Qu'est-ce que je fous? Voilà. Alors attendez, on va tuer les pathos d'abord. Non, les pathos d'abord, parce que je veux faire un truc avec les ennemis au sol. Bef! Je me demande si plus on est haut, plus ça leur fait mal. Je devrais vérifier. Ouh, les tronçonneurs d'abord. Ah non, les pathos d'abord, ils sont dangereux aussi. Peut-être plus que les tronçonneurs. Je ne sais plus comment ils s'appellent. On va les appeler les tronçonneurs. D'ailleurs, les tronçonneurs, là, ça viendrait pas de Resident Evil, des fois. En tout cas, ils font le même bruit. Ouais, ils font le même bruit. Oh god. Ils font le même bruit que les gars à la tronçonneuse dans Resident Evil 5. Elle va te répondre. Sauve-toi! Ils envahissent les lieux! Bordel! Qui c'est que j'entends parler? Ce serait pas Virgile des fois. Merde. Ça grouille par ici. J'espère que Kat va bien. Mais oui, elle va bien. Faut que je me grouille. Wait. Donc, ah, par là. Hey. Une étoile de diabolisme. Même principe que l'étoile de vie, sauf que là, ça reste hors du diabolisme. Pure question de logique. Hey, vous cherchez quelqu'un en face de Fion ? Oh god ! Je vais essayer un truc avec ces... Wait. Je vais essayer un truc avec ces scies, là. Ah, attendez, j'ai manqué mon coup, mais je vais réessayer. On recommence. Oui, ça marche. Et là... Voilà, il est assommé. Donc c'est bien ce que je pensais, si je lui renvoie, ça l'assomme. C'était quoi ? Putain, mais pourquoi tu souris ? Eux, je les aime bien comme ennemis, parce qu'ils sont rapides et impersonnels. C'est, on dirait vraiment des démons. Hey, reviens ici. Déjà ? Alors, les petits portails qui ouvrent... Ah non, en fait, je sais pas où ça mène. Parce que ça ressemble un peu à un portail vers les larmes qu'on verra beaucoup plus tard dans le jeu. Mais... Ah non. Non, bah je sais pas où ils vont. C'est le mystère de l'univers. Où vont les gardiens? Oui, parce que ça s'appelle des gardiens. Gardiens, je sais pas quoi, mais des gardiens. Kat? Kat! Dante! Je suis là. Je sais pas quoi faire. Où est Virgile? J'en sais rien. Il est sûrement dans la salle des serveurs.
L'octogone, mais il pourrait être dans les limbes. Comment on le rejoint? Je sais pas, je suis coincé ici. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à sortir? Réfléchis. Il y a peut-être un moyen. Je vais te guider. Donc voilà, nous devons libérer Kat, ce sera pour le prochain épisode, qui sort, je vous le rappelle, hein, je sors des épisodes tous les 3 jours maintenant, je ne fais ça que pour les let's play, parce que tous les 2 jours c'est pas assez, je sais pas en fait comment je vais m'organiser, parce que d'un autre côté j'ai envie de le faire tous les 2 jours, mais j'ai peur d'être à court de vidéos parce que vous le savez, hein, j'ai pas du tout le temps de tourner des vidéos en ce moment, enfin surtout en ce moment, attendez, il est quelle heure? Je sais pas. Je sais pas, parce que faut dire que quand je reviendrai sur la chaîne, oui, parce que là, pour l'instant, je suis encore en pause sur la chaîne. Le temps de tourner plein de vidéos, et puis je reviens d'un coup, et j'essaie d'en tourner un maximum. Même pendant que... Enfin, voilà. En vrai, vous m'avez compris, j'espère. Et je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, parce que je vais quand même revenir avec la blinde de vidéos. Là, j'en ai déjà 5 en préparation, à part le let's play. Hormis le let's play, j'ai déjà 5 vidéos en préparation. Qui sont prêtes, pas encore montées, pas toutes, mais en préparation. Non, même pas 5, 6, waouh. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, lâchez un comme, ça fait toujours plaisir et ça aide. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, attention à la musique, et à bientôt sur DMC Devil May Cry.